ici, on est sur la première review de 4 XM Studio Transformers qu'on vient de recevoir, qu'on ne vendra pas en France, parce que on ne peut pas. Mais voilà. Par contre, il y a quand même des trucs qui sont pas logiques, qu'on a envoyé un mail en attendant de réponse. Qu'on n'aura pas, on nous fera, c'est magique, c'est juste avec ce mail. En tout cas, on remercie notre ami Fred de nous procurer ces statues, parce que lui, qui est un bon belge qui mange des frites, qui veut bien faire ses rêves. Fredo. Fredo. Fredo l'alcool. Non, j'en ai Fredo l'alcool. 4 Transformers sont arrivés au magasin depuis déjà un mois et demi, et on a toujours pas le temps de faire les yeux, donc on commence enfin avec Bulbulbee. Il y en a 4 imposantes. Rodimus Prime, Nemesis Prime, Optimus Prime. Non, non. Wave. Sunwave Prime, Sunwave Prime et Bumble Prime. Voilà. Donc, en échelle 1 dixième, donc si vous avez du Iron Studio, G.I. Joe ou Master Universe, vous pouvez les mettre avec. On a du coup Bumblebee avec Jean-Claude. Jean-Claude, non, je sais, c'est vrai, je sais plus l'humain. Je sais pas. Ah si, Whit Wiki. C'est dans le film. Bah, moi je l'appelle Whit Wiki. Whit Witton. Whit Wiki. Whit Wiki. Non, bah, non, non, Abraham Lincoln. Il y a plus une tête de Jason, je trouve. Ouais, Jason Statham. Jason, non, juste Jason. Statham, non, il a trop de cheveux pour un Statham. Ouais, avant, il avait des cheveux. Ouais, quand il était plus plongeur, ouais. Donc, alors, ici, Bumblebee, statue assez belle, donc avec une position guerrière en avant, en mode vraiment comics des années 80, donc vraiment ce côté rétro, avec Jason en armure, en Exo-03. Alors, déjà, première tête, Bumblebee très expressif, très gay, qui est super accurate au comics, je trouve qu'il est vraiment très vivant, très très beau. Alors ici, cette tête-ci, normalement, est lumineuse, mais comme à chaque fois XM et tous les autres fabricants, on n'a jamais de piles. Ce sont les yeux. Notre stagiaire ne met pas les piles, ben voilà. On a du coup les yeux bleus de la statue qui s'allument, et il y a une deuxième tête qui est en version Armored, avec une grande visière bleue, ici présente. Hop. Je trouve qu'elle est un peu moins... Enfin, elle est plus battle damage comme ça, et moins vivante. J'aime mieux avec le visage, tu vois. Tu pas? Ouais. Ouais. Je suis complètement d'accord. Parce que là, il manque quelque chose, mais les yeux, du coup. Là, ça fait pas trop robot, mais ça fait moins expressif, moins vivant. Enfin, bah, pour moi, il fait penser à Cobra. Putain, ouais, c'est vrai. Il a le J.J. Bah, ouais, c'est vrai. On va mettre avec du visage. C'est un mèche. PS, J.J. D'accord, Snake Eyes, J.J. Origin, c'est de la merde. On a vu le film sur Netflix, c'est de la merde. Quoi, avec J.J. Sorti l'année passée? Ouais, l'année passée, là. Avec Snake Eyes, le film spin-off de Snake Eyes. Ah, un truc de merde. Ouais. Tu l'as déjà vu? Non. Parce que tu m'aurais pas dit que c'est de la merde, je t'aurais frappé. Ah bon. Alors ensuite, on a donc son bras gauche qui a son fusil en avant, avec du coup une armature, des pièces jaunes et argentées. Un travail basique, mais qui fait son travail chez XM. C'est bizarre que ce soit jaune pour me mettre bien. Ouais, c'est qu'on va rien avoir du tout. Par contre, on travaille du coup une deuxième main, avec un poids semi-fermé, mais on dit qu'il manque un fusil. Tu vois? Non. Non, ça, il manque un fusil. J'espère que non. Il manque un fusil, je l'avoine. Donc voilà, une position du coup de combat de Bumblebee. À l'arrière, on a la fameuse roue de sa voiture ainsi que, et ça c'est cool. Et ça c'est super cool parce que du coup ils ont donné une fausse vitre et du coup on voit l'architecture de Bumblebee à l'intérieur. Et c'est hyper bien travaillé. Je veux dire, tout le travail de XM Studio est minutieux sur ce transforme. Ouais. Devant, on a donc la carrosserie de la voiture avec le gros symbole Autobot. Ça, c'est hyper beau. Et sur le bas, on a donc l'armature de ses jambes. Déjà, on voit l'avant de la coccinelle qui a été séparée en deux et qui permet de faire ses pieds, qui va de l'avant. Et là, il y a beaucoup de détails puisqu'on voit du câble, des pièces en métal, l'articulation du coup du genou. Et mélangé à ça, à l'architecture de la voiture, on voit les petites roues, on voit le pneu, etc. C'est super cool et je trouve ça hyper immersif. Et en même temps, on est vraiment sur du GA. C'est ça que j'aime beaucoup. Ils n'ont pas voulu faire du film, ça c'est cool. Mais on voit que c'est adressé à une clientèle de base asiatique. Parce que à la base, c'est une SQ asiatique qui a été libérée ici il y a plus ou moins. Au mois de juin. Donc, franchement, c'est cool. Et le GA est adressé beaucoup à l'Asie et pas à l'Europe. Ouais, à fond. Ensuite, on a Jason dans son armure Exo-03. Ça va du coup un peu moins emblématique, qui je pense, je vois pas pourquoi ils l'ont mis. C'est vrai qu'il complète la statue, mais je trouve que celui qui n'aime pas l'humain, ben, il a l'air con, tu vois. Il te gêne pas, toi? Si, mais moi, c'est comme toi avec ton chien des fois, ou moi avec mon chien, ben, c'est pareil. T'as Bob Bobby et son petit chien. Oui, mais tu vois, je veux dire, des fois, t'as une statue sans chien, tu vois. Ça aurait été cool d'avoir un moyen de l'enlever, mais tu me casses. Je pense qu'il y a moyen de l'enlever. Oui, il y a juste un trou dans le socle et tu dis que c'est Megatron, il a pété un plomb, il a tiré dedans. Bah, c'est l'idée est bien parce qu'il n'a jamais été. Évidemment, on met toujours en avant tout seul. Mais il y a. Et bien à la place de lui, tu mets la petite voiture. Bah, ça aurait été cool, mais bon, ce serait pas logique parce qu'on aurait vu. C'est deux fois la même chose. Mais c'est pas grave. Ça choque pas du tout. Bah,
une évolution Pokémon, une évolution de Transformers. En vrai, lui, j'espère que son armée est vachement grande, parce que s'il en a un dixième... La voiture est pas en indice. Ouais, je pense bien, parce que... Bah, non, parce que même les... Même les roues, ouais, t'as raison, les roues, elles sont pas... Bah si, les roues, elles sont en... Bah, c'est en indice, c'est bizarre. Non, c'est pas du indice. Bah, si tu compares au modèle réduit qu'on a, c'est plus ou moins du 1/24, ça. Comme les DeLorean. Et lui, le bonhomme là, il est en indice. Ça, c'est pas du 1/24, ça. Et lui, il est en indice. Bah ouais. Bon, bah, c'est du coup une voiture transformée qui n'est pas du coup à l'échelle du personnage qui est là. Le trait de l'armure est vraiment super cool. On a des réacteurs dans le dos, les pièces en métal. Encore une fois, beaucoup de travail sur les câbles, sur les tuyaux, sur tout le, du coup, le méca que forme l'armure d'Exo 03, qui est cool. Le visage en plus de Jason est super bien fait. Manque juste dommage le un scaphandre parce que il fait un peu bête d'avoir parce que franchement le mec il se mange un headshot c'est mort. Il a la tête hyper explosée et c'est pour rien faire. Et pareil j'aurais peut-être voulu des add-ons pour mettre des explosions. Non bon, j'aime bien moi. Ouais ouais c'est beau mais non. T'as peur de casser de l'étain. Il y a un mec il a une veste il se pointe il travaille pour nous et puis oh mais oh oui qu'est-ce qui s'est passé il a plus rien. Le soc, par contre, quant à lui, fait beaucoup forcément penser à... Bon, merde. Cybertron. Cybertron, merci. Avec des pièces de moteur, tout mélangé. Ce que XM a à faire, c'est prendre vraiment de tout et n'importe quoi et taper dessus et plier. Franchement, tu m'as aspiré un dessus 2099, ça passe. Ça passe aussi, c'est vrai. Mais ils ont quand même travaillé des alvéoles avec ce côté très structurel, très un peu alien, avec le surtout le réacteur au milieu qui est du coup légèrement bronze, etc. Et franchement, le travail de métal est magnifique. Ils ont bien donné l'essence du coup à Bumblebee avec le socle. Et comme vous avez pu voir pendant la vidéo, on a donné une voiture. Attention, il y a des pièces à attacher. Une coccinelle, oui, les rétroviseurs sont... Et il y a deux socles, comme ça. En fait, vous la mettez avec ou sans socle, et c'est des socles qui ne vont pas ensemble. Iron Man, si vous voulez. Iron Heart. Allez, tu peux mettre deuxième. T'as vu le commentaire? Non, pas encore. C'est prévu. T'as juste vu les jouets? Ah, oh non, j'ai regardé TikTok, j'ai vu la moitié du film. Quant à la voiture, ben, en fait, elle est vraiment cool. La seule chose, c'est que voilà, elle est ben, du coup, pas trop à l'échelle d'après nous. Elle est full résine. Vous avez les vérifications avec XM écrit dessus. C'est un petit truc assez marrant. Et le symbole de Autobots mis au-dessus. Mais la voiture, elle est super bien prononcée. C'est une belle voiture en fait. Je trouve que c'est une belle réplique. Elle n'est pas grossière, elle n'est pas épaisse. Des fois, il y a des trucs un peu dégueu dans les voitures. Là, je trouve que la carrosserie est assez fine. Il y a juste qu'ils ont tâté les vides pour pas se faire chier à faire l'intérieur. Je peux comprendre. Et les pneus sont légèrement un peu trop épais, mais voilà, ça reste une voiture en résine, c'est toujours compliqué à faire. Mais le fait qu'il ait mis dedans, je pense qu'il voulait vraiment se dire, ok, pour le prix, on va essayer de... Juste Bumblebee, on va mettre son pote Jason, on va mettre sa voiture. Ils ont vraiment dit compléter à fond. Pour 258 exemplaires, c'est juste? Ouais. Et le prix? 1500 plus ou moins. Hein? 1500? Non. Si. 1100? Non. 1500 pour ça? Oui. Waouh, petit, bah c'est. Ouais. Ça te choque toi, non? Oui. Ah, ok, d'accord, parce que je pourrais. Bah, à ce prix-là, vous achetez la Prime Bumblebee. Tu vois? Ouais, mais après, c'est du XM. 250 exemplaires au monde, c'est que dalle. Et vous êtes avec XM, mais après, ok, bah, moi, si je fais une marque demain, c'est Jordan Industry. 4 exemplaires. 4 exemplaires. 2 000 euros. Et c'est 2 000 euros bien. Voilà. Moi, ça tue, elle mérite quand même, franchement, à 8 sur 10. Elle est cool. Elle est juste. Elle sort un peu du lot, mais en même temps, il y a quelque chose qui manque. C'est ça, XM, en fait, dans les super-héros, il gère encore, mais dans Transformers, c'était tellement... On voit que c'est une vieille statue, en fait, tu vois, par rapport à maintenant. On voit qu'elle était sortie en Asie, surtout, je me demande comment elle est pas soldée, 250 exemplaires, comment elle est pas partie... C'est Bumblebee. Ouais, à ce point-là. Bah ouais, bon, c'est bizarre. À voir. Mais en tout cas, moi, un bon 8 sur 10. Et toi, Jo? Pour moi, c'est un 9 sur 10. C'est une très chouette statue, c'est une gamme qui est vraiment bien. Juste dommage que ça se libère que maintenant en Europe. Parce que du coup, il y a Megatron et Optimus Prime qui sont complètement sold out pour l'instant. Et je trouve ça abusé parce que du coup, franchement, avoir le Dio. Le 6. Waouh! Mais là, du coup, tu te retrouves un oh putain, entre guillemets, même si je pense qu'ils vont refaire une V2 parce qu'ils sont hyper demandés. Ouais, c'est ça. Mais déjà, ceux-là, après, pareil, ça a été débloqué en Europe, mais j'ai pas vu beaucoup d'Européens les avoir. Tu vois, on a eu la faute en juin. Et puis... Je connais que par son deux gogoles qui ont fait la V2. Ok. Nous deux? C'est tout? Il y a des choses Google, ça va, j'ai eu peur. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc, si vous intéresse, c'est sur commande ici au magasin. N'hésitez pas à nous contacter. On est là vraiment pour vous. Oui, si vous voulez avoir en Belgique, expo, on le répète, Belgique. Si vous voulez du coup l'avoir en expo, elle est dispo pour un petit moment ici au magasin. Et on va bientôt déballer Rodimus Prime, Soundwave et Nemesis Prime dans les prochaines vidéos. Donc voilà. On va essayer.
Merci, ouais, on va essayer. Beaucoup de reviews prévues, mais on essaie de tenir la cadence, ce qui est très dur pour l'instant, parce qu'à Liège, on ramasse notre tronche, frère. Ouais, ouais, c'est comme ça qu'on le dit. Frère, voilà. C'est comme ça que les gens nous parlent. On s'excuse mille fois de notre fatigue, on espère qu'on vous divertit toujours autant. Ah, je m'excuse pas, moi. Moi, je m'en fous. C'est la preuve qu'on donne à fond. Rock and roll. Abonnez-vous, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.